Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, mon nom c'est Désiré Rioux. J'ai gradué de la Vérendrye en 2009. J'étais une des premières cohortes de l'école secondaire et j'ai vraiment vécu beaucoup de fierté d'avoir pu étudier à la Vérendrye. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager mon expérience avec vous tous. Une fois que tu as gradué, ça a été quoi ton parcours pour te retrouver aujourd'hui dans le domaine de la santé comme tu l'es aujourd'hui? Oui, parfait. Donc, c'est un parcours un peu non orthodoxe. J'avais seulement 17 ans quand j'ai gradué. Je ne me sentais pas tout à fait prêt pour les études universitaires dès le début, surtout en sachant que j'allais avoir à apprendre un pré-étudiant. Donc, je voulais être sûr de ma shot avant d'investir là-dedans. J'ai donc décidé de faire une 13e année à la Vérendrye. Et je dois vous avouer que c'est avec l'intention aussi de jouer une toute dernière saison de volleyball avec mes collègues qui, eux aussi, ont resté pour une 13e année. Et après ça, je me suis décidé sur le programme général d'art et sciences à la Cité collégiale à Ottawa. C'est un programme d'un an. Puis c'était essentiellement pour gagner un peu plus de maturité et aussi pour augmenter ma moyenne pour aller peut-être chercher les bourses d'admission. Et après ça, j'ai appliqué pour le programme de sciences infirmières à l'Université d'Ottawa dans le volet francophone. J'ai appliqué puis j'ai été admis aussi en 2011 déjà. Et puis en 2015, j'ai gradué du baccalauréat en sciences infirmières. Et aussitôt, j'ai eu un job à l'hôpital Montfort en tant qu'infirmier sur une unité de santé mentale en psychiatrie. La même année, en 2015, j'ai ensuite appliqué au programme de maîtrise en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. Et après avoir complété la composante théorique du programme, j'ai été accepté au programme de doctorat en sciences infirmières, toujours. Et puis, tout récemment, cet hiver, j'ai eu mon PhD dans le programme. Donc, c'est ça. Après une somme de 9 ans à l'université, là, je pense que j'en ai eu assez des études. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, donc ça, c'est... Ça a été une question un peu épineuse. Donc, avec le doctorat, je me suis dit initialement que j'allais poursuivre une carrière académique et devenir professeur et enseigner dans une université quelque part au Canada, faire de la recherche, ta. Mais après avoir fait le point sur mes valeurs personnelles, mes valeurs de couple aussi, je me suis dit que j'aimerais peut-être mieux poursuivre ma pratique clinique pour l'instant. Donc, c'est après avoir travaillé 5 ans à l'hôpital Montfort et après avoir complété mon doc, je me suis dit que ce serait le bon moment, le moment propice pour faire un grand changement. Donc, je me suis trouvé un job au Yukon, à Dawson City, en tant qu'infirmier communautaire en santé mentale. Donc, je travaille vraiment avec des gens qui ne sont pas à l'hôpital, mais qu'on continue à suivre dans la communauté pour les aider dans leur cheminement au niveau de la santé mentale. Ouais, donc pour moi, mes deux parents sont francophones, puis ça a toujours été le français à la maison, même si à Thunder Bay, on tend à parler plus l'anglais. Avec les amis, quand on est ado, c'est normal. Puis, mais pour moi, le français a toujours été un incontournable. Puis le fait que ça n'a pas toujours été facile de vivre la francophonie à Thunder Bay ou d'exprimer sa francophilie, je me suis dit qu'un déménagement à Ottawa, ça serait parfait pour mieux vivre le bilinguisme et aussi pour enrichir ma langue. Donc, l'importance du français m'est vraiment sauté aux yeux en travaillant à l'hôpital,
en travaillant aussi à l'Université d'Ottawa, qui est vraiment bilingue. Puis j'ai aussi vraiment adoré pouvoir créer un réseau d'amis, trouver une copine aussi, qui sont tous francophones, bilingues. Donc aujourd'hui, je parle le français tous les jours. Maintenant, tu as un parcours incroyable, Désiré. Maintenant, ce parcours-là, il s'est sûrement fait avec quelques petites embûches. Quels ont été tes obstacles que tu as dû surmonter à travers les années? Il y en a eu quelques-uns, surtout au début, mais une fois que j'étais rentré dans la roue, ça a été fluide. Puis c'est aussi sûr que la question d'argent, pour moi, ça a été l'accumulation d'une grande dette Raffaello pour supporter mes études puis ma vie à Ottawa, c'est pas nécessairement quelque chose d'alléchant, mais c'était la moindre des choses. Puis aussi, je dirais que l'obstacle le plus, comme le moment le plus pivot pour moi à l'université, ça a été comme dans la deuxième année du baccalauréat où j'ai décidé de poursuivre mon cheminement en nursing. D'emblée, je voulais entrer en médecine. Donc, mon but, c'était de faire le programme en nursing et ensuite aller dans un programme de médecine pour 4 ans puis devenir médecin. Par contre, en deuxième année, j'ai travaillé en tant qu'assistant à la recherche auprès de chercheurs en sciences infirmières. Puis, je me suis vraiment mis à aimer le processus de recherche puis tout ça. Puis après plusieurs réflexions et des choix difficiles, j'ai resté en nursing, mais ça n'a pas été un moment très, très cool. Mais avec le support de mes amis et tout, ça l'a bien été. Un petit obstacle, mais j'ai traversé. Désiré, quel message que tu aimerais donner à nos élèves, nos futurs gradués de la Vérendrye? OK, une grande question. Oui. Je pense que je pourrais diviser ma réponse en deux. C'est mon premier message, ce serait pour tous ceux et celles qui pensent savoir exactement par où passer pour atteindre leur but. Donc, à vous, je vous conseille de rester sensible aux signes subtils qui pourraient indiquer des nouvelles opportunités et de ne pas hésiter de franchir les portes qui semblent vous appeler, même si c'est seulement pour jeter un petit coup d'œil. C'est maintenant le temps d'explorer. C'est vraiment la partie la plus belle de la vie. Pour moi, à date, ça a été les études au collège ou l'université. Deuxième message, c'est pour ceux et celles qui ne sont pas tout à fait certains sur la meilleure trajectoire à prendre pour leur futur. Donc, pour vous, je vous dirais de rester patient et doux avec vous-même dans ces moments d'incertitude et de prendre le temps d'écouter à vos besoins. Donc, comme dans mon cas, on ne doit pas nécessairement suivre un parcours traditionnel. Vous pouvez avancer à votre propre rythme et c'est bien correct. Donc, soyez bien là-dedans parce que c'est le processus du cheminement scolaire qui est vraiment amusant et gratifiant. La ligne d'arrivée, souvent, elle n'est pas nécessairement à la hauteur de nos attentes. Voilà. Témoignage incroyable. Merci beaucoup, Désiré. Je pense que c'est un beau message que tu donnes à nos élèves. Merci.